Salut tout le monde, les gens. Mettez les pouces sur terre, on commence. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vite, vite. Ok, abonnez-vous si vous avez envie. Et même si vous n'avez pas envie, abonnez-vous quand même. Exactement. Vous savez bien que vous allez vous marier avec nous. Mais vous savez, oui, vous savez. On passe un bon moment. On se prend pas au sérieux. Oui, on fait des constats. On est des dingues. On critique personne. C'est voilà, ça. On s'amuse, on se fait plaisir. Toujours on s'amuse. Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Une famille. Famille en or. Presque. Une famille espagnole. Ah. La plus grande famille d'Europe. Ils sont 18 enfants. 3 voitures. 5, je crois. La plus grande famille d'Europe. Eh ouais, 18 enfants, elle a. C'est beaucoup. Avec le même mari. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas vu le truc. Ah, 18 gosses, faut y aller. Hein. 18 gosses, c'est important, c'est beaucoup. Hein. Elle a dû passer 20 ans enceinte. Bah, c'est ça. Wow. 20 ans enceinte. Imagine le poids. Bah, le poids, tu le perds, tu le reprends. Ouais, et ouais, ouais. T'es pareil, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. T'es pareil qu'au premier. Hein. Fait, à chaque fois. 18, c'est incroyable. Je sais pas si y a des triplés ou quoi. On va voir. On va voir. Celle qui détient le record de la plus grande famille d'Europe, avec 18 enfants au compteur, habite à Barcelone, en Espagne. Ah, ouais. Et dans l'appartement de cette super maman, ça déménage. Lolita, Rafa, en plus ils sont petits du coup, Pablo et Thomas, les jumeaux Pépé et Pépa, Pépé Pépa, l'ado Alvaro, il en sort de partout, et sa grande sœur Maggie, la studieuse Rosita, mais aussi Pablo, Thomas, Anna, Gabi, Cookie, Terre, Juanpi, Perico. C'est mon petit chien, ça. Et sur 18, ouais. T'es pas obligé d'avoir que des noms qui tuent, hein, à un moment donné. Ouais, c'est obligé qu'elle se soit. Pas non plus. Ouais, papé, cookie, pépa, papa, ouais. Popo. Cookie. Pupu, Kiki, ouais. Coco. Pff, vas-y, c'est bon. Pourquoi en fait, pas. T'as mis un prénom comme ça au hasard. Ouais, en fait. Ouais, Cookie, pourquoi pas Donuts aussi, ouais, je te jure. Derrière cette famille qui a le rythme dans la peau, Rosa, 52 ans. Malgré le décès de son mari il y a 3 mois, elle garde une pêche d'enfer. Oh, elle est toute seule avec les 18. La 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 la. Depuis, cette mère courage élève seule sa famille nombreuse. Sa méthode, elle en a fait un best-seller et elle est devenue une star dans tout le pays où elle fait régulièrement la une des médias. En exclusivité, elle a accepté de livrer ses secrets à toutes les mamans françaises. Le pilier de son éducation, une organisation quasi militaire, mais toujours dans la bonne humeur. Comme à l'armée, les consignes de la semaine sont affichées à la vue de tous. Tu nous avais dit il y a quelques temps que c'est ta famille qui était grande, non, du côté de 10. 10 et 10, non? 9, 9, pardon. Ouais. 9 frères et sœurs d'un côté de mon père, 9 frères et sœurs du côté de ma mère. Ça fait 18. Ouais, ça fait 18. C'est incroyable. Les deux familles réunies, hein. Ah ouais. 18. Déjà, ouais, les anciens, ils sont tous mariés. Ah ouais. Ça fait 36. Four. Ils ont tous minimum 2 enfants. Arrête. Donc tu multiplies. 72. C'est incroyable. Ça se faisait beaucoup avant, les grandes familles. Oui, parce que ouais. Bon, mon grand-père, il travaillait à la terre. Hein. D'accord. Donc la terre, il fallait la bourrer, il fallait planter les pommes de terre, écosser les haricots. Ouais. Mon grand-père, il avait un verger. Ah ouais? Il avait un verger, il faisait tout lui-même. C'est fort, ça. Ouais. Ah ouais, tout. Tout, maison. Tout. Pour éviter de passer des heures à cuisiner des tonnes de nourriture, Rosa a mis en place une stratégie. Ah, c'est eux qu'il faut à manger. Chaque jour, un enfant est décédé. Donc elle a fait une fois le repas sur 18 jours. Donc une fois par mois. Et ouais, elle est maline. Ouais. Elle est forte, la madre. Et aujourd'hui, c'est Alvaro. Même les courses qu'il faut faire, t'imagines. Élève de seconde, seconde la journée quoi. S'annonce chargée. Aujourd'hui, il a une grande responsabilité. Nourrir ses 15 frères et sœurs vivant encore dans l'appartement familial. C'est quoi le numéro, là, je comprends pas. Ça doit être des coureurs, ça doit dire des dossards, tu sais. Il faut que ce soit toujours très bien tiré pour qu'il n'y ait pas ça, de pli. Ça, c'est bien. Je suis les consignes. Bravo. Là, ça marche droit. Alvaro a prévu de cuisiner du poulet pour toute la maison. Il faut combien de poulets? Pour réaliser un repas de chef, il faut déjà aller faire les courses. Une mission de taille. Mais quand c'est le petit de 8 ans, hein, comment il fait? Il va faire, il faut faire les courses avec son sac à dos, le pauvre. Pour être sûr de ne perdre aucun de ses enfants, Rosa les habille toujours de la même couleur. Ce matin, c'est bleu. Incroyable, dit. On commence par les fruits, les enfants. On prend des fruits, non? 4, 5, 6, Rosa 7, a fait 8, sa liste 9, de courses et elle ne compte pas dépenser un centime de plus. Mais pour respecter son budget, la mère de famille doit être vigilante. En vrai, ça doit être fou quand même d'avoir autant de frères et sœurs. Ça doit être dingue, une expérience, ça doit être dingue. Après, il y a peut-être des tensions entre certains, mais ça doit être fou. On va prendre un melon. Ça fait combien le melon? Il nous faut des légumes verts et on ira prendre des bananes aussi. Ici, il y a les pâtes. C'est là, les pâtes. On continue, les enfants? Ah oui, il y a deux chariots. Lolita, 7 ans, ne l'entend pas de cette oreille. La petite fille est prise d'une envie soudaine de dessert. Je veux des yaourts, maman, des yaourts. Tiens, un bisou. Fais-moi voir ce que c'est. C'est ça, allez, s'il te plaît. Non mais regarde, il y a des promos à côté. Maman, je veux cela, au citron. Il demande beaucoup de choses. Oh, elle parle bien français. Regarde-moi, il est ça, parce que des fois, il regarde à la TV. Alors, moi, je veux ça même. Rosa ne se laisse pas attendrir. Bravo, Rosa.
Grâce à son travail de commercial, elle gagne 3000 euros par mois. Mais pour cette super maman, économiser est une question de principe. Ouais. Non, ah, 3000 plus les livres qu'elle a un peu vendus. Ouais, plus tout passer à la télé, on les a fait payer. Ouais, plus. En vrai, je pense que tu as des aides à 18. Je sais pas, c'est en Espagne. Hein. Ah ouais. Pas de sécurité sociale là-bas. Je crois pas. Ah ouais? Bon, je pense pas. Ça, c'est pas bien. Alors, on... Elle parle en français du coup maintenant. Voilà. Si tu prends cette marque, la deuxième est encore moins chère. Ouais. Et ça, je peux le prendre. Je compte tout, là. Bon. Vous voyez, on apprend à faire des économies avec les produits discount. C'est toujours moins cher que les marques. Et quand Lolita n'en fait qu'à sa tête, les grands appliquent scrupuleusement les consignes de la maman. C'est non, bien. Pourquoi tu l'enlèves? On t'a dit la marque discount. C'est ça ou rien? Vous, les grands, vous avez tout compris. Quelques centimes d'euros d'économie par produit, mais à l'échelle du caddie de la plus grande famille d'Europe, ça vaut le coup. Ouais. Beaucoup, tous les mois. 200 litres de lait et 1300 biscuits, 25 kilos de pommes de terre. 25 kilos de patates, 200 litres de lait. Oh, oh, c'est incroyable. Le cuisinier du jour, Alvaro, a choisi ah le oui. lait. Et là encore, là, il faut pas quantité. Question de faire des folies. C'est bien, tu l'as pris en promo. Bravo. Au moins, ils apprennent le partage. Offerte. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire comme on doit faire les repas. Il y a des fois qu'on fait Masterchef. Vous connaissez Masterchef? Alors, on le fait chez nous. Au moment de passer en caisse, au grand désespoir de Lolita. Dans le caddie, ni yaourt, ni gâteau. Ouais. Voilà. Plus vite. Et tu vois pour autant. Pépé. C'est ce que elle est pas malheureuse. Ben non. Voilà, elle c'est a l'air heureuse. Il suffit de lui dire non, comme ça la prochaine fois, fais pas la même chose. Il n'y a pas eu de crise dans le magasin. Sauf que les parents. Ouais, elle est d'accord. Voilà, ils craquent. Et en fait, ce qui est bien, c'est que même les grands enfants, ils ont pris le relais. Oui. Il n'y a pas eu de caprice dans le magasin. Rien, regarde. Tout s'est bien passé, bravo. Ils sont tous classe, bien habillés, bien nickel. Coiffés. Tu vois. Et lui, c'est mieux débrouillé que sa petite sœur. Il a réussi à faire passer ses pizzas. Et pour cela, il a rusé. J'ai dit à maman que c'était pour mon anniversaire et celui de Pépa. Ça va être génial avec toutes ces pizzas. Au total, 600 euros, rien que pour une semaine de course. Ah vache. Merci beaucoup. Au supermarché comme à la maison, les enfants n'ont pas de répit. Par mois, c'est 2400 balles, je gagne 3000. Je pensais direct à ça. Je suis dit, reste 6 ans. Tu n'as pas payé le loyer? Ouais. Tu n'as pas... Je sais pas. C'est pour ça que je pense qu'il y a des aides, c'est ce que je te disais. Peut-être. Mettre la table, on va manger. Le déjeuner est orchestré comme dans un restaurant. Petits et grands s'affairent. Dans l'ordre, ils mangent. Chaque jour, les enfants se voient attribuer un poste bien précis. Ah, ça marche droit. Trop bien. Cuisson, assaisonnement. La maman est derrière ses commis pour tout contrôler. Et le petit, comme elle est plus grande que lui. Tout, j'avoue. T'aimes bien cuisiner? Non. À 15 ans, Alvaro est plus aguerri que son petit frère. Normal. Il a même ses propres recettes. Je farcis mon poulet avec des pommes de terre, des oignons, du sel, des poivrons et plein d'épices. C'est tout. Attention le doigt quand même. Ici, tout se fait toujours en famille. Mais parfois, l'adolescent aimerait être un peu plus tranquille. Ouais, normal. Surtout à un âge là, tu peux pas ramener la copine à la maison, hein, t'imagines ? Table tournante, un enfant sur deux délégué au service. Tout ici a été pensé, version famille nombreuse. Nombre de steaks qu'il y avait dans l'assiette. Voilà, tu as déjà. Tu veux un peu de pain? Non merci, coge un peu, uno. Coge l'or, que nous te le commons. Voilà. Elle les tient, hein? Mais même dans cette famille parfaite, les repas peuvent tourner au gentil règlement. Si nous suis que là, tu veux pas. Aujourd'hui, c'est Maggie, 20 ans, qui se plaint de ses frères et sœurs. Ils n'obéissent pas. On doit toujours leur répéter 10 fois. C'était qui le mec à lunettes? Il est plus là. Je sais pas, c'est qui? Qu'est-ce que tu en penses, Lolita? Qu'est-ce que tu devrais améliorer? Ce qu'elle dit. Et aujourd'hui... Lui, c'est qui, lui? Ça doit être un frère. Je sais pas qui est-ce. Ouais. Ça doit être un frère. Un des frères, moi, ouais, je pense, ils ont la même coupe. Ouais, ouais. Tu stresses trop quand on prépare à manger, quand on part en vacances. Quand quelqu'un commence à stresser, surtout quand c'est toi, maman, on est tous stressés. Ouais, ouais. C'est la patronne de la maison, hein. Rosa est surprise, mais elle prend sur elle. Le perfectionnement de maman n'est pas être neuro. Je ne dois pas stresser quand on est en retard, que c'est l'heure de manger ou qu'il est tard. Voilà, ne pas grogner. Moutarde, c'est la moutarde. Ah, tu m'as mis du rouge à lèvres. Sortie de table. Le régime. Ils ont des bains en plus pour s'asseoir.
Ah ouais, la vaisselle, obligé. Et tu dois le faire tourner direct. Elle est tellement à l'aise pour régenter sa vie de famille, c'est qu'elle vient elle-même d'une fratrie de 16 frères et sœurs. Alors il y a 25 ans, lorsqu'elle a rencontré son mari José, décédé des suites d'une maladie cardiaque, ils se sont tout de suite mis d'accord pour avoir de très nombreux enfants. On arrivait d'avoir une grande famille parce que mon mari, il vient d'une famille de 14 enfants. 16, c'est pour ça. Ça fait 30 en tout, 14 et 16. Bon, t'imagines. Après chaque bébé, on a pensé, est-ce qu'on a de la force psychologiquement? Est-ce qu'on peut avoir encore un enfant? Oui, il en rajoute un à chaque photo. Et après, Juanpi, Cookie, Marie, Tere, Rosita, Gabi, Annie, elle les connaît tous, Álvaro, Pepe, Pepa, Pablo, Tomás, Lolita, Rafa. Wow. Poigne et attention permanente. La méthode d'éducation de Rosa semble porter ses fruits à la maison comme à l'école. Aujourd'hui, c'est inspection des bulletins scolaires. Ouf, et il faut que les 18 y travaillent bien, mais dans les 18, ça fait une classe. T'imagines, 18, ça fait une classe quasiment. Il y en a toujours une qui ne doit pas être au niveau. Hein. Très bien. T'as bien travaillé. Musique, excellent. Très bien, Pablo. Rafa, et toi, c'est bien ou pas? Rafa, c'est bien toi. Et aujourd'hui, ils sont tous en orange. Très bien. Comme d'habitude, les résultats sont excellents. Kinette. Bon travail. Alors, tu rentres dîner? Au revoir, Marie. Je crois que c'était un cadeau du ciel d'avoir cette famille tellement heureuse. Elle a l'air tellement heureuse. Ouais, franchement, c'est ça beau. Qui est beau. Bah, c'est pas compliqué. Magnifique. Si, après, en France, là, t'as des grandes familles hein, chrétiennes. Ouais. Où il y a beaucoup d'enfants et chacun a une charge à faire. Après, il faut prier à table, etc. Mais non, moi, je trouve ça assez courageux, bravo. C'est courageux. Et en plus, elle est heureuse. Elle n'est pas là à dire c'est dur, c'est si, c'est là. Ouais, et puis son mari est parti, donc pour être triste, tu vois. Non, regarde, elle est habillée en orange, elle y va. Hein. Ouais. Mais c'est vrai quoi, là, elle a perdu son mari, elle est seule avec les 18 enfants. Chapeau, madame. Ouais, franchement, bravo. Franchement, bravo, Rosa. Bravo. Allez, vamos. Allez, vamos à la playa. Exactement. Allez. Et puis, on vous dit à très vite. Salut tout le monde, les amis. Salut, les gens.